Peur. Pourquoi ce sourire? Oh, précieux. Ils nous l'ont volé! Il y avait cette femme coincée dans son passé. Elle avait du charme, mais pour elle, ce n'était pas assez. Elle n'osait plus se regarder. Sur sa joue, une larme n'a de cesse de couler, de ruisseler. Son corps, pourtant, est une arme, une épée de dame aux fesses bien aiguisées. Saisissant deux drames, elle ne peut pourtant plus s'encadrer. Seul votre regard pourrait l'en dissuader, d'enfin s'accepter, d'enfin voir la vérité. Et sa face, pas de travers, pouvoir sortir de son enfer dans lequel il y a mis les pieds. Pas de revers pour elle, pourtant si belle. Elle n'aura d'autre idée que de se changer, de se maquiller, de se camoufler. C'est à s'y perdre. Si tu la croises, elle te parlera d'amour. Pourtant, c'est la nuit peu sournoise que tu la vois devant carrefour. Cette hongroise de velours, elle... Elle ne veut pas de vautour, non, elle, c'est sans détour. Elle veut sa jeunesse, une vampire en détresse, qui, le soir couché, retire ses tresses. Sans stress, aucune tendresse, même son bas la blesse. Alors il faut un temps pour tout, un temps pour elle, un temps pour elle. Un temps au temps, un temps pour rien, un temps de chien, un tentateur, un temps du cœur, hein? T'entends rien? Délivré du monde, éternelle une seconde, livrée dans chaque bocal, toute belle, sans aucun scandale, parfois double, simple ou divisée, vierge de modernité, faite pour être unie et séparée, le mystère reste entier. Elles sont façonnées de morale, elles ne sont jamais banales, vibrantes, brillantes, remplies d'ombre, jusqu'à la tombe. L'obscurité vient de l'humanité, clairement chaque être en est doté. Corruption de la vie par la vie. L'âme n'est pas un avis, animant de notre galaxie, aimant de ce qu'il allie. Extravagance de l'esprit, pourtant il y pense aussi.